pasando aquí? Tú ayúdame a encontrarlos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film espagnol qui, normalement, sort aujourd'hui, c'est-à-dire le 26 avril 2017. Il a été réalisé par Raúl Arévalo et j'ai eu la chance de le voir au Festival Premier Plan à Angers. On y retrouve notamment Antonio de la Tolle dans le rôle de José, Luis Carrero dans le rôle de Curro, et Ruth Diaz dans le rôle d'Anna. Le résumé est très simple. 8 ans après la mort de sa fiancée dans un cambriolage qui a mal tourné, un homme décide de la venger. Mais étant donné que je suis allée au cinéma sans connaître le résumé, ça a été une surprise totale pour moi, donc je n'avais aucune idée ni de qui étaient les personnages principaux, ni de leur motivation, ce qui est quand même très intéressant. Mais du coup, si vous regardez cette vidéo, ce ne sera pas votre cas. Je ne regarde pas énormément de trailers, du coup je peux pas vraiment juger de la qualité de celui-ci par rapport aux autres en règle générale. Mais personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce film. Il y avait du coup beaucoup de suspense pour moi parce que je n'avais absolument aucune idée de qui était le personnage de José, quelles étaient ses motivations. Alors que bien sûr dans le résumé du coup ça c'est un peu spoilé, ce qui est très très dommage. Il y a également quelques passages humoristiques assez marrants, j'ai trouvé, qui passent bien avec le film en général. Ça met quelques petites pauses et tout dans l'ambiance très très tendue. Donc ouais, le scénario est vraiment bon, il maintient très bien le suspense. La réalisation, honnêtement... rien à dire de spécial, c'est-à-dire que c'est bon mais sans non plus être excellent, enfin rien de remarquable on va dire. Les acteurs par contre sont vraiment bons, surtout Antonio de la Tolle qui joue José, puisque beaucoup de choses passent par le regard de ce personnage, donc c'est vraiment important qu'il soit un peu expressif au niveau du visage et du regard, et j'aime beaucoup quand les choses passent par le regard. Comme par exemple, ça a pu être dernièrement le cas dans Moonlight. Du coup, voilà. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup dans les films. Donc là, j'ai été très très bien servie. Par contre, j'ai un peu du mal avec les fins ouvertes. Qui est là, très 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 ouverte. Mais je ne vais pas vous spoiler, donc vous les découvrirez par vous-même si vous allez voir le film. Ce que je vous conseille de faire, puisqu'il est très bien. Mais compte tenu du film, la fin va bien avec en fait. Donc du coup, ça passe. Mais je suis quand même pas trop fan. En revanche, la scène du début est vraiment géniale et elle amène super bien le film, puisque c'est une scène, la scène du cambriolage, qui tourne mal du coup, sans qu'on sache qui sont les personnes impliquées. Du coup, il me semble que ce film n'a reçu aucun prix au festival Premier Plan d'Angers et j'ai pas trop regardé s'il en avait reçu à d'autres occasions. Mais je vous conseille d'aller le voir vraiment parce qu'il est vraiment bien. Et je remercie totalement l'ami qui m'a emmené le voir en mode « Allez, tu viens, on va voir un film » sans me dire quoi que ce soit d'autre, parce que c'était une très bonne idée. Et franchement, si je peux vous conseiller un truc, c'est un peu des fois de se dire « Allez, je vais voir un film » sans regarder ni la bande-annonce, ni le résumé, ni rien. Parce que là, du coup, j'ai eu vraiment une bonne surprise. Je n'ai eu absolument aucun spoiler. Même si c'est vrai que des fois, c'est bien de connaître un peu le résumé et tout. Mais ouais, si un jour vous vous dites « Allez, je vais voir un film, mais je sais pas quoi », bah choisissez au hasard et puis espérez qu'il soit bien. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait un peu de temps que j'ai pas posté parce que j'étais pas mal occupée. Mais je vais essayer de recommencer à poster un peu plus. Notamment après le bac, parce que bon, voilà. Et au revoir, du coup. Et tout ce que tu as à faire.
Alors,